je suis Canal 3 Bénin. Après son flop aux dernières élections municipales et communales, le parti Mouvement Populaire de Libération rompt le silence dans les prochaines minutes. Son président, Sabi Sirak Orogoné, nous dira la leçon tirée de ce premier rendez-vous électoral manqué. Le MPL, échaudé par cette expérience douloureuse, a-t-il toujours la même vigueur dans la critique contre l'action de Patrice Talon? Comment se positionne aujourd'hui ce parti dans la perspective de la présidentielle de 2021, notamment avec les appels incessants des partisans du chef de l'État pour un second mandat et pour recevoir Sabi Sirak Orogoné? Je suis avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bonjour, André Doussa. Sabi Korogoné, bonjour. Bonjour. Bonjour, arrivé à Canal 3 à Bénin. Ça fait un bout de temps, hein, vous a entendu, en tout cas depuis votre dernière expérience assez douloureuse, faut-il dire, au communal dernier. On ne vous a plus entendu. C'est quoi? C'est toujours sous le choc de l'émotion, là, au MPL. On a été suffisamment sonné pour rester silencieux pendant tout ce temps-là. Rassurez-vous, le MPL ne se dirige pas avec émotion. Et d'entrée, permettez-moi de vous remercier le groupe de presse Canal 3 qui a bien voulu faire de moi votre invité aujourd'hui. Et depuis mon dernier passage ici en 2014, j'ai dû attendre 6 ans pour retrouver un des studios que j'aime le plus. J'espère que je n'attendrai pas encore aussi longtemps la prochaine fois. Donc, après, c'est vrai qu'après le rendez-vous manqué des communales, nous nous sommes fait un peu rares, mais nous n'avons pas non plus manqué d'informer les militantes et militants du parti de ce qui s'était réellement passé. Et le Mouvement Populaire de Libération est devenu parti politique le 12 février 2020. C'est-à-dire que le 12 février 2020, on recevait notre récépissé provisoire. Le 11 mars, on devait présenter 3630 candidatures, 1815 titulaires et 1815 suppléants. On n'avait matériellement qu'un mois pour monter, conformément au code électoral, les dossiers de candidature. C'était un challenge que le Mouvement Populaire Libération... C'est quand même curieux, c'est un mouvement de jeunes. Vous saviez que vous êtes constitué en parti politique et qu'en principe, vous aviez observé toutes les règles et les démarches pour avoir un récépissé. Vous avez attendu d'abord d'avoir le récépissé avant maintenant de vous engager justement à réunir les dossiers. Alors même que le code électoral les a déjà fixés, a mis les conditions bien avant même. Pourquoi on ne s'est pas bien préparé? Comment est-ce que vous pouvez penser que des jeunes, parce que sur la liste de candidatures présentées, 95% ne s'étaient jamais retrouvés dans des conditions de candidature. C'est des jeunes qui n'ont jamais pensé aller à une quelconque élection. C'est à eux que le Mouvement Populaire de Libération voulait donner la chance de s'exprimer. Et on ne pouvait pas mettre la charrue avant les bœufs. Avoir récépissé d'existence au Bénin aujourd'hui, c'est comme un peu la croix et la bannière. On ne pouvait pas jurer de ce que on avait la garantie d'avoir le récépissé. Du coup, vous avez déposé les dossiers, vous êtes allé vous coucher. Non, on ne s'est pas couché. À l'église pour prier. Oui. Bon, en fait, tout est fait avec beaucoup de conviction. On ne fait rien au hasard. La preuve, juste après que nous soyons allés à notre congrès, nous avons décidé de devenir un parti politique. Nous sommes allés au congrès, nous avons déposé le dossier au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a étudié les dossiers conformément à la loi, nous a donné notre récépissé. Nous sommes alors, à partir de cet instant, mis dans la peau d'un parti politique, parce qu'en réalité, il faut être très très subtil avec le régime que nous avons là en face. Il faut être très subtil. Ne mettons jamais la charrue avant les bœufs. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Les dossiers ont été constitués en bonne et due forme. On n'avait pas de problème de dossier. On n'avait pas les problèmes de dossier. On a dit que vous en aviez un de surplus, non? De plus, pardon. Oui. Amalgame. Amalgame. Et c'est tellement douloureux que j'évite d'en parler parce que c'est très difficile à accepter. L'émotion revient. Une formation politique qui voulait faire ses preuves. Une jeune formation politique qui voulait dire son mot de façon pacifique. Parce que sous d'autres cieux,
Les jeunes comme nous ne font pas ce que nous faisons. Sous d'autres cieux, le désespoir les amène à poser des actes qui vont contre les lois de la République. Nous avons décidé, nous, dans la légalité, aller à la conquête parce que le renouvellement du personnel politique est devenu une obligation dans notre pays. Nous devons renouveler le personnel politique. Parce que les Béninois, au-delà même du problème Patrice Talon, les Béninois sont fatigués de voir les mêmes personnes... Patrice Talon ? Oui, bien évidemment, on en revient. Les Béninois sont fatigués de voir les mêmes personnes aux mêmes endroits en train de dire les mêmes choses et jamais, jamais, rien ne change. Les Béninois veulent voir de nouvelles personnes. Cette position de MPL contraste aussi avec le comportement du MPL dans sa participation, sa démarche pour participer à ces premières élections, enfin, vous concerne précisément. Mais vous voulez changer le personnel politique, faire les choses autrement. Mais vous n'êtes même pas capable de vous conformer à la loi. Non, c'est conformé à la loi. Puisque on s'est conformé à la loi. On a été à la Cour suprême. Vous avez lancé ces petits genoux, petits bonnes la chance. Le représentant de la Sénat, la Cour suprême, n'a pas été capable de démontrer devant la Cour les raisons de notre éviction. Je dis que c'est tellement douloureux. Vous n'avez pas été réhabilité par la Cour. La Cour ne nous a pas réhabilité non plus. Bon, de toutes les façons, le plus important, c'est que nous avons la ferme conviction que pour un parti qui avait un mois d'existence, le challenge. Je vais vous raconter un peu pour que vous puissiez comprendre un peu le processus dans lequel les choses et les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. On s'est lancé dans la course. On avait tous les problèmes au niveau des tribunaux. Certains tribunaux ont carrément refusé de nous signer nos documents. Pourquoi? Parce que vous étiez MPL? Parce que nous sommes de l'opposition. Comment ça? Certains candidats avec qui on a déjà fait la plupart... Parce qu'il faut vous rappeler, les dossiers de candidature comportaient 8 pièces. C'est 8 pièces. Les dossiers pour être membre fondateur, les dossiers pour être membre fondateur d'un parti comportaient 4 pièces, mais les dossiers pour être candidat à cette élection-là étaient de 8 pièces. Certains candidats avec qui on avait tout fait nous rappellent pour dire « Ah, on a dit que si on est candidat sur votre liste, les gens sont venus dire à nos parents qu'ils vont nous arrêter. » On a brandi, le spectre de la peur et de la terreur. Donne-nous des exemples. Non, ceux dont je parle se connaissent très bien. C'est le tribunal refuse de donner des papiers officiels qui n'ont rien à voir avec une appartenance politique. Non, en fait, dans la période, oui, on le faisait de façon groupée. On ne peut pas individuellement gérer ça. Alors, est-ce les membres du MPL aboraient-ils sur le front l'étiquette MPL pour que les juges, les greffiers puissent s'identifier? Il fallait, d'après ce qui a été dit, il fallait qu'on se fasse identifier. Et c'est ainsi, après qu'on se soit identifié, que le tribunal fait des diligences pour nous permettre d'être dans les délais. Par contre, il y a certains endroits où on n'a pas eu ce genre de problème, où spontanément les gens se sont levés. Ça a été très rapidement. Maintenant, on a amarré toute cette difficulté. On a réuni les dossiers physiques. Nous sommes allés à Sénat avec une déclaration de candidature qui doit comporter les 3630 candidats. Nous avons donné notre déclaration de candidature. On nous a dit qu'il y a un logiciel interne à la Sénat. Parce que nous sommes devenus une parti politique, le processus avait déjà été enclenché. Donc, on dit, voilà. Cela vous a beaucoup aidé aussi. Quand je dis vous, ce n'est pas forcément le MPL, c'est les partis politiques en leur offrant des occasions de formation, d'initiation à des logiciels pour leur faciliter la constitution des dossiers, notamment dans l'ordre des pièces, etc. Et pourtant, quand on voit un peu ce qui s'est passé, même après la clôture officielle dépôt de candidature, des partis politiques et pas des moyens traînaient encore de la cour de la Sénat 3 jours après. Est-ce que c'est vraiment... Nous apporter de l'eau à notre moulin. Le dernier parti politique reçu par les agents de la Sénat, parce que nous, pendant 48 heures, il fallait recopier à nouveau les 3630 noms. Je suis rentré à la Sénat ce mercredi, j'en suis sorti le vendredi. Juste pour aller me soulager et revenir. Avant mon retour, on nous avait déjà sorti du jeu. Lorsque nous avons été reçus les derniers, avant nous, les autres partis, on est 9 partis, les autres ont été reçus. On n'a pas notifié à ces partis reçus avant nous un refus ou une acceptation. Mais nous qui sommes les derniers à être reçus, par quelle alchimie, par quelle manœuvre? Peut-être que celui qui s'est chargé d'étudier votre dossier est plus dynamique, plus efficace. C'est la même plénière qui accepte ou qui refuse. On nous a sorti. Ce n'est pas la fin du monde.
nous avons tiré des leçons. Quelles premières leçons? Partagez ces leçons avec nous. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette expérience? Non, permettez-nous de garder ça pour nous. C'est quoi? Vous n'avez pas partagé vos connaissances, vos expériences, c'est ça? Non, c'est ça. Jaloux de ces acquis, c'est ça? Si vous voulez aller faire l'expérience vous aussi, vous allez tirer les conséquences. Vous savez, les citoyens que vous mobilisez ont besoin aussi de savoir quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette expérience. Pour moi, apprécier la position. De façon globale, que nous pouvons dire qu'on a tiré cette expérience, c'est que nous sommes dans un pays où il faut appartenir à des réseaux. À des réseaux. Parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons rentrés à Sénat avec nos dossiers et qu'on nous souhaite le miracle à notre entrée à la Sénat. L'équipe qui est venue nous recevoir nous souhaite le miracle. Sans étudier notre dossier, on nous accueille dans l'enceinte de la cour de la Sénat. On dit, vous, on vous souhaite le miracle. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je vous souhaite le miracle. Je vous souhaite le miracle. Qui a dit ça? Je ne vous dirai pas qui. Mais c'est quand même très profond de sens, en fait. Alors, on va parler de vos rapports avec les autres partis politiques. Déjà, avec ceux avec qui vous entendez, enfin, le mieux, même si eux-mêmes, ils sont sûrs que vos rapports avec eux ne sont pas très catholiques, en tout cas comme ils auraient bien voulu. Comment le MPN se retrouve aujourd'hui dans le mouvement global, je ne vais pas dire collectif, de l'opposition aujourd'hui? Hier, beaucoup d'ententes, on vous a vu aux côtés de certains Bouriaï, chez Nicéphore Soglo, puis après avec quelques membres éparses de cette opposition-là. Puis après, on a l'impression que vous avez défini désormais votre couloir parce que vous avez votre récépissé. Vous n'êtes plus au même pied d'égalité, c'est ça? Non, même pas. En fait, la lutte que nous menons aujourd'hui, la lutte pour la restauration de la démocratie que nous menons aujourd'hui, au sein de cette lutte, il y a deux catégories de lutteurs. Il y a ceux-là à qui le pays a, dans un passé récent, donné l'opportunité et qui se retrouvent aujourd'hui avec leur zone de confort bousculée. Il y a ceux comme nous, ce n'est pas, on n'a pas de zone de confort, c'est notre avenir qui se retrouve être hypothéqué. La façon de voir les choses diffère à ce niveau. Nous, nous sommes très ouverts. Nous avons, tout le temps, à chaque étape, appelé à l'union des forces. Parce que, individuellement, nous sommes vulnérables. Est-ce que vous allez On doit avoir la capacité de transcender un certain nombre de dysfonctionnements liés généralement aux oppositions en Afrique. Vous êtes toujours paralysé par les petites querelles de personnes-là, c'est ça? On devrait se retrouver à ne travailler que pour le mieux-être du peuple. On doit mettre de côté nos petits égaux, parce qu'il y en a beaucoup. On doit mettre de côté nos ressentiments, il y en a beaucoup. Nos rancœurs, il y en a beaucoup. Et faire face à ce régime qui a décidé unilatéralement de mettre entre parenthèses les libertés individuelles et collectives. Voilà un peu ce que le peuple attend de nous. Le peuple semble aujourd'hui être perdu. Le peuple semble ne plus avoir de boussole. Le peuple semble être découragé. On doit redonner espoir à ce peuple. Mais espoir de ce que l'alternance au sommet de l'État est encore possible. Ce dénominateur commun de ne pas partager la vision du Patrice Talon, sa façon, sa gouvernance. Mais qu'est-ce qui vous empêche alors de vous entendre et de faire front commun face à lui? Je parlais tantôt des dysfonctionnements liés aux oppositions en Afrique. La cacophonie peut-être des ambitions. Pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? Sinon, lorsque le 12 février, nous avons obtenu notre récépissé d'existence légale, quelques jours avant, le parti Restaurer l'Espoir l'avait obtenu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne? Moi, je peux faire les sciences pour comprendre que, par exemple, le parti de l'ancien président Boniaï, les forces courues pour un Bénin émergent, il y avait une petite situation à ce niveau. Et on peut, au bénéfice du doute, et comprendre que des responsables d'un parti politique, pour sauver les meubles, décident de se conformer. À ce niveau, il n'y a pas de péril en la dehors. Mais là, il y a un problème. Et ça fait un tic, nous, dans nos têtes. C'est que ils nous disent après qu'ils ont décidé de ne pas, à l'unanimité, de ne pas se présenter au dialogue politique qui a conduit à la révision de la Constitution. Mais vous retrouvez vos camarades, allez à ce dialogue, on n'a pas besoin de faire la Sorbonne, les Sciences Po, pour déduire qu'il y a un problème. Et
quand on est un leader politique, il faut avoir la capacité d'anticiper. Vous soupçonnez... Non, je ne soupçonne personne. Vous soupçonnez de complicité, d'intelligence avec le pouvoir. J'avais décidé de ne même plus me prononcer sur ces allocations parce que je ne gère pas avec émotion. Vous savez, c'est ça, les suspicions. Il faut chercher. Si aujourd'hui, l'objectif principal de ces gens qui s'adonnent à cette manière de faire, c'est de déstabiliser un jeune parti, parce que pour eux, il est inconcevable que les jeunes prennent leurs responsabilités. La facilité à laquelle vous avez obtenu votre récépissé pendant que eux, c'était très laborieux pour eux. Non, ça a pu les amener à en conclure que bon, vous devez être en intelligence. Vous savez, pour votre congrès, je crois que ça doit être à savoir quand même. Les gens ont été surpris d'abord que le congrès ait eu lieu, que vous ayez été protégé par la police surtout, mais surtout le contenu de votre discours à l'occasion. Le congrès n'a pas eu lieu dans les conditions dans lesquelles on voulait que ça ait lieu. Et la veille, on a fait les travaux préparatoires, c'était le meeting, ils ont bloqué le meeting, et la police a détaché nos bâches, a saisi les baffes. En fait, le congrès n'a pas eu lieu dans les conditions dans lesquelles on l'aurait souhaité. Et vous savez, je vais vous faire une petite... aujourd'hui, le temps est passé, je vais vous faire une petite... Confidence. Vous savez, moi, je suis... je peux un jeune, oui, mais un homme politique. La politique, c'est la subtilité, c'est l'intelligence. C'est la vision. Les gens m'ont reproché, à savoir, par exemple, d'avoir dit ceci exactement. Je le répète, parce que je le dis en toute responsabilité. En venant à Savaire, la jeunesse avait pensé avoir un seul adversaire, Patrice Talon. Mais on a constaté que son ami Boni Yayi est aussi un adversaire de la jeunesse. Je l'ai dit. C'est une provocation. Non, même pas. Non, je n'ai provoqué personne. En fait, je vous ai dit tantôt que je suis un homme politique. Lorsque j'ai été arrêté, les principales questions qu'on me posait tournaient autour de mes rapports avec lui, avec d'autres. J'avais besoin d'atteindre un résultat. J'avais besoin que le parti en gestation, en décembre 2019, ait son existence légale. C'est pourquoi vous avez officiellement pris Vous avez décoré le discours. Oui, je viens d'établir une distance. Même s'il y a eu des raisons que je n'ai pas envie d'énoncer ici, même s'il y a des raisons pour moi de le penser vraiment, l'objectif n'était pas à ce niveau. Donc, et les conditions dans lesquelles nous avons obtenu notre récépissé, et nous avons déposé nos dossiers une semaine après Restaurer l'Espoir, et nous avons obtenu notre récépissé une semaine après Restaurer l'Espoir. Je suppose même que les gens... Parce que le 12 février, quand on a obtenu le récépissé, moi je jugulais parce que je me disais que enfin, l'opposition était sauvée. Je m'attendais spontanément que les leaders de l'opposition nous rejoignent et prennent leur part de responsabilité. Et le pourquoi, débat... Pourquoi eux doivent faire le mot, pourquoi c'est pas vous Oui, suffisamment cette occasion-là. Avant d'aller à la création du mouvement populaire de libération, contre mon gré, bien sûr, Monsieur Thébert, aujourd'hui secrétaire général porte-parole du MPL, me contraignait à aller rencontrer ses aînés. On a fait individuellement, surtout à plus de 95%, nous avons pu les rencontrer et ils nous ont donné leur bénédiction. Même si, après, quand on tourne le dos, c'est autre chose qu'on entend. Mais non, ne gère pas avec émotion, je l'ai dit aussi. Alors, des initiatives de Niki au MPL d'aujourd'hui, votre discours a quelque peu pris, je ne sais pas dire de l'âge, mais moins d'étoffe et moins incisif que ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? L'image des jeunes vatanguais, des jeunes guerroyants qu'on nous colle aujourd'hui à la peau n'est pas bonne quand on veut aller loin. Et il faut montrer que nous sommes des jeunes et nous avons la tête c'est sur les épaules. C'est un mauvais départ, alors. Non, c'est pas un mauvais départ. Il le fallait. Maintenant, quand vous procédez, vous avez une manière de procéder qui n'apporte pas de résultat à un moment donné, et l'humilité
de prendre du recul et de vous remettre aussi un tout petit peu en cause. Le séjour carcéral, l'expérience carcérale a-t-elle contribué à édulcorer votre discours, en tout cas, ça vous a-t-il fait changer de position En allant à Niki, je l'avais dit déjà en ce temps-là, c'était le début d'un processus qui allait conduire à la création d'un bloc politique au sein duquel les jeunes allaient se retrouver. Aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un certain nombre de réserves parce que, étant à la tête d'une formation politique, parti politique. Ce n'est pas une épicerie pour que je me permette de faire ce que je veux. Au sein du parti, les voix s'élèvent de plus en plus pour me demander d'avoir une nouvelle posture, pour demander aux membres du directoire du parti d'avoir une nouvelle posture. C'est cette dynamique que nous sommes. Et tous les jours, en train de répéter la même chose, parce que les gens nous disent qu'on souhaitait trop. Bon, venez sur votre plateau aujourd'hui, vous parlez du Parlement de sang, le député Godillo, mal élu, d'élections communales mal passées, ainsi de suite, je pense que le peuple l'a déjà entendu suffisamment. Ce que les Béninois veulent savoir, comment est-ce que nous faisons pour lui garantir l'alternance au sommet de l'État. On va en parler. Avant d'aborder justement cette perspective, aujourd'hui, ils ne nous ont pas rejoints quand vous avez eu votre récépissé, mais on observe que vos autres amis ou alliés, je ne sais pas quelle expression appropriée, vous paraît appropriée, se mobilisent et sont aussi en train de se constituer en parti politique. Les démocrates sont en gestation, ils attendent, je crois, leur récépissé pour l'annonce officielle. Vous ne serez donc plus seul dans la critique verte, la critique tout court contre l'action de Patrice Talon. Comment vous entrevoyez cette cohabitation justement au sein de l'opposition avec les futurs les démocrates? D'entrée, je leur souhaite de très vite obtenir leur récépissé et je demande aux autorités de faire diligence parce que c'est un droit acquis. On ne devrait pas créer beaucoup de problèmes à ceux-là qui veulent se constituer en parti politique, même si c'est ce que nous vivons depuis un certain temps dans notre pays. Vous savez, et la plupart de ceux-là qui sont aujourd'hui au sein de cette formation politique, ce sont des aînés à nous, que nous avons tout le temps côtoyés. Le président Ondete, je l'ai connu ici, en ce même lieu, c'était en 2001, à la direction de campagne du général Kérékou. Bien plus tard, on est devenu une force clé, parce que j'ai été le premier commissaire à la jeunesse de l'Alliance nationale force clé. Donc, on s'est tout le temps côtoyés. Et il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Mais c'est quand même eux que nous leur avons montré le chemin et qu'ils nous emboîtent ainsi le pas. Et je souhaite que véritablement leurs actions s'engagent dans le sens de l'action publique. Dans le sens où, parce que aujourd'hui, ce que le peuple béninois attend de nous, le peuple béninois attend que nous fassions tout, surmonter nos divisions internes et lui apporter une solution. Moi, je compte véritablement sur eux, sur le leadership éclairé de M. Ondete, pour que nous puissions, si possible, voir qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble, parce que individuellement, nous sommes vulnérables. Voilà. Dites-nous concrètement et très franchement, quel rapport entretenez-vous avec le pouvoir? La première fois que j'ai pu avoir l'opportunité de dire ce que je pense au chef de l'État, c'était lors de la rencontre qu'il a initié. Je ne dirais pas non plus qu'il n'y a pas, juste après l'obtention du récépissé, des mains tendues, mais à cause, peut-être, je le dirais ainsi. Vous les avez effleurées, Non. À cause des. Quand on dit mains tendues, vous savez, je vais vous dire une chose. Et moi, on m'a élevé pour ne pas me nourrir de haine. Et même quand vous avez de la haine en vous et que vous dirigez un groupe d'hommes, vous devez faire tout possible pour que même quand le cœur est chaud, garder la tête froide et faire des choix avec lucidité. Nous n'avons pas de problème personnel, nous, au MPL. On n'a pas d'antécédent. C'est-à-dire que à aucun moment, on n'a jamais avec Patrice Talon. La question qui est en jeu, et c'est un enjeu capital, c'est le problème qu'il gouverne actuellement. Et justement, s'il n'avait pas pris la responsabilité de diriger notre pays, on ne serait pas en train de parler de lui. Il le dirige, lui pense qu'il fait bien, mais nous on pense qu'il fait très mal. Donc c'est un peu à ce niveau. Tout de suite, une guerre des idées doit pouvoir nous opposer.
dans les règles de l'art. Mais aujourd'hui, l'histoire est arrivée à un niveau où, même quand, je me rappelle encore, quand Pépé, notre Pépé national, le président Soglo, est allé lui rendre visite, je connais la verbe du président Soglo, c'est sûrement pour le ramener à l'ordre, parce qu'il nous considère tous comme ses enfants. Mais le simple fait qu'il soit allé vers lui, c'est fini. Il a essuyé des insultes de part et d'autre. C'est dans le dialogue. Tous les conflits armés, je dis bien tous les conflits armés au monde, ont trouvé leur épigogue après un dialogue. Donc pourquoi ne pas mettre le dialogue en avant et éviter ainsi à notre peuple de se retrouver dans certaines conditions où on ne pourra pas, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc je suis convaincu que nous avons au Bénin la manière de trouver, même si c'est de façon in extremis, des solutions pour... Un dernier aspect rapidement, le temps de passer à notre axe de nos échanges. C'est vrai que vous l'aviez évoqué, mais vous n'êtes pas allé en profondeur. C'est le moment d'échange avec le chef de l'État. Faites-nous rapidement un petit rappel. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'était la première fois que vous voyez le chef d'État en face? Non, pas la première fois. Moi, j'ai côtoyé le général Kérékou. Vous avez côtoyé surtout aussi Bonéaï. Non, pas si tant que ça. Pas si tant que ça. Qui est un partisan? Non, non, j'ai jamais été membre de son parti. Et pendant 10 ans de gestion, je suis toujours resté en marge. Je suis allé aux élections législatives en 2007 déjà, dans la deuxième circonscription électorale contre son parti. En 2015 également, j'étais aux législatives encore contre son parti. Donc, je n'ai jamais véritablement été un partisan du... Parce que moi, je me disais, j'avais une autre conception du chef, parce que Kérékou nous a habitués à avoir avec lui un vrai chef, en réalité. Donc, je ne voyais pas quelqu'un pouvoir, dans mon cœur, remplacer le général Kérékou à l'époque. Donc, je suis resté en marge. Très admiratif du général, c'est mon modèle. Tous les autres présidents qui viennent, en tout cas, le général, grâce à général Kérékou, c'est mon modèle. C'est un homme plein d'humilité, paix à son âme, je salue sa mémoire au passage, plein d'humilité. Et c'est un homme de sacrifice. Il avait un leadership qu'il faut que tous ses successeurs puissent. Vous pensez que par exemple, Patrice en est dépourvu de ses qualités que vous saluez chez Mathieu Kérékou? Mathieu Kérékou s'oublie lui-même. Patrice Talon nous a dit que c'est ce qu'il pense à lui d'abord, à lui-même d'abord. Donc c'est toute la différence. Après cette rencontre, quelle a été la suite de cette rencontre au palais? Nous sommes allés au palais. Le débat de fond ne nous intéressait pas trop parce qu'on n'était plus en liste. On n'était plus en liste. Mais on avait un message à passer au chef de l'État. Au nom de la paix et de la stabilité, il faut qu'on revoie les dispositifs liés au parrainage. Et on souhaiterait qu'il soit le porte-parole de ses compatriotes auprès de l'institution parlementaire afin que cela se fasse. Dans un élan de solidarité, bien sûr, avec les autres forces de l'opposition, on a fustigé le fait qu'on a invité que les 9 partis qui ont participé au processus électoral des communales, et alors que nous sommes 13 engagés et reconnus légalement dans le pays. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous sommes allés. La principale raison, c'était la question liée au parrainage. Et à ce niveau, il nous a promis qu'on se reverrait à une autre occasion pour en parler. C'est pourquoi vous avez repris le refrain là maintenant, ces derniers temps? Non, quand on est allé, on a entonné le chant à la présidence, dans les oreilles du chef de l'État. Après, certains compatriotes ont décidé de chanter plus fort que nous. Bon. Vous n'avez pas les mêmes forces dans les cordes vocales. Non, en fait, ils ne connaissent pas les paroles de la musique. Et il chantait plus fort. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Il fallait se taire. Donc, dans leur chanson. Non, en fait, nous sommes arrivés à un niveau où on n'obtiendra plus rien en faisant avec des menaces verbales. On n'obtiendra plus rien en criant. Il faut avoir la capacité de le reconnaître. Vous savez, quand vous voulez aller de l'avant, il faut avoir l'humilité de reconnaître vos forces et vos faiblesses. Donc, à ce niveau, nous devons pouvoir venir à l'évidence qu'il faut engager de façon directe ou indirecte des échanges pour que... Parce que, vous voyez, généralement, il faut que l'amour pour la patrie soit notre leitmotiv. Généralement, pour un opposant, ça sera qu'on reconnaît, votre discours est plutôt trop gentil, trop sage, trop poli, trop modéré, non? Pour un opposant. Nous, on veut atteindre un résultat. C'est le résultat qui compte pour nous. Les émotions du moment, vous voyez,
On a, vous voyez, là où l'émotion du peuple nous a conduit en 2016. Non, le peuple doit pouvoir se patienter afin que désormais, que ce soit le leader qui lui montre le chemin à suivre. Le peuple doit vouloir se patienter. Parce que généralement, les gens, même dans, quand le peuple est dans l'erreur, ils disent, bon, le peuple est dans l'erreur, bon, il n'y a pas de problème, c'est le peuple qui a choisi et on suit. Non. Le peuple est en train de tirer le son et le peuple béninois aujourd'hui a eu la maturité qu'il faut déjà pour comprendre qu'il faut qu'on leur montre le chemin. Deuxième axe de nos échanges ce matin, M. Sabi Korogone, on va parler de l'actualité politique telle que le MPL le voit, ou la voit, pardon. Il y a plusieurs éléments, la précocité de la campagne électorale, la polémique autour du mandat unique avec cette promesse à peut-être rappelée à Patrice Talon, la suscitation de candidature qui fait débat, le plan, enfin, bilan qu'on fait déjà de son quinquennat. On va commencer par quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Allez-y. La précocité de la campagne électorale, par exemple. Vous les partis politiques, ou sinon vous, les hommes politiques, vous avez cette manie d'ériger des règles, de ne pouvoir jamais les respecter dans votre vie. C'est quoi votre secret? Non, ne globalisez pas. Ah, vous n'appartenez pas au cercle politique. Le régime actuel est en train de faire exactement ce qu'il a reproché à son prédécesseur. Voire pire. Comment? C'est quoi ces affiches que nous voyons dans tous nos carrefours, suscitant la question des présidentielles, d'une candidature à une présidentielle, est tellement sérieuse qu'on n'a pas logiquement besoin de susciter la candidature de tel ou tel. On ne force personne. Le chef de l'État lui-même nous a dit que le mandat unique, c'est ce qu'il fera. Ou bien? Mais il a dit que ce débat est clos depuis qu'on lui a passé le niveau. Moi, je ne me pose aucune question. Il a dit un mandat unique. Un homme, c'est une parole. Il a dit un mandat unique. On attend. Maintenant, s'il a envie de montrer à ses compatriotes qu'il peut remettre lui-même en cause sa propre parole, la loi lui donne le droit de se représenter. Maintenant, le plus important pour nous, au mouvement populaire de libération, c'est que cette élection soit pas comme les législatives 2019, que cette élection ne soit pas à la base du malheur du peuple. Il faut qu'on fasse l'effort d'ouvrir la compétition et que le Béninois qui se sent capable de diriger son pays. On va retourner encore au stade qu'on connaît là, où certains candidats viennent à Zim avec un tas de papier entre. Le parrainage dont on parle. Oui. Et ce n'est pas que ça manque de pertinence. C'est de façon visible ce qu'on dit. Et les élections législatives, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, font que, bon, on peut revoir ça. Mais le plus important, et c'est ça qui concerne, en ce qui concerne le MPL, et j'en profite de votre canal pour le dire, notre silence nous a permis d'aller tester le dispositif du parrainage. En quoi faisant? En rentrant directement en discussion avec des élus. En négociation. Donc, je peux vous dire aujourd'hui. Vous avez fait quel constat? Que le MPL a déjà téléchargé son parrainage à plus de 95%. Pourquoi vous le consultez encore le tribunal? C'est-à-dire que le MPL aujourd'hui a déjà des contacts et. Non, a déjà téléchargé les parrainages à plus de 95%. Et c'est le moment pour moi. C'est des promesses, c'est des signatures sur papier, c'est des engagements. C'est le moment pour moi. Je ne rentrerai pas dans le détail avec vous, mais je vous le souffle. C'est le moment pour moi de dire aux militantes et militants du mouvement populaire de libération que, quelles que soient les intempéries, le MPL sera sur la ligne de départ. Autrement dit, les prochaines élections présidentielles. Candidat à la présidentielle 2021. Et ce n'est pas systématique parce que c'est une formation politique. Ça, vous en êtes le leader. Je suis le président. Ça ne fait pas de moi systématiquement le candidat du parti. Les échanges seront engagés. Nous serons très bientôt en conseil national. Et à cette occasion, le candidat du parti sera désigné. À quel prix avez-vous obtenu ces garanties, ces promesses de parrainage? Vous savez, ces élus, ce n'est pas du bétail. C'est des hommes qui appartiennent à des familles. C'est les hommes qui ont leur manière de penser, de réfléchir. C'est les hommes qui veulent garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Et au nom de tout ceci,
ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est des hommes et des femmes qui appartiennent à des partis politiques qui ont des principes, qui ont des lignes. C'est là, dans ce sens. Des partis politiques sous les bannières desquels ils ont été élus et qui ne leur ont pas encore donné officiellement la permission, sinon le droit d'aller signer. Nous avons déjà avancé. Nous avons avancé. Ces élus, donnant la garantie, nous ont posé un certain nombre de conditions. Entre autres conditions, il faut qu'il y ait des rencontres entre leur formation politique et notre formation politique. Pour tout au moins décrisper l'atmosphère, nous avons dans ce sens envoyé des courriers à l'Union progressiste. Nous sommes opposés, mais pas ennemis, au Bloc républicain. Et jusqu'à présent, le Bloc républicain n'a pas répondu. L'Union progressiste a répondu, a donné un rendez-vous et s'est retracté. Notre maire est en train de nous apprendre là que ces formations politiques veulent se faire raquerie, vous donner l'âme pour les abattre, c'est-à-dire vous donner l'occasion d'aller vous opposer à leur candidat. C'est juste un coup de com. Pour sacrifice, je suis convaincu qu'autant que nous sommes, nous aimons notre pays. Aucun sacrifice ne sera de trop de l'un ou de l'autre côté. Comment est-ce qu'on se sent au MPL quand on combat farouchement comme ça le régime pour son mode de gouvernance, son style de gouvernance, et quand on va récolter des soutiens et des parrainages dans son rang, parmi ses chauds partisans? La paix n'a pas de prix. Je suis convaincu que le chef de l'État le sait très bien. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la paix et la stabilité à notre pays. Les Béninois ont besoin de se manifester et de se prononcer sur son bilan. Il doit pouvoir leur en donner l'occasion. Les élections sont généralement des moments de fête chez nous, au Bénin. À part les dernières que nous avons vécues, surtout les législatives, on doit pouvoir rectifier le tir et redonner cet amour aux nos compatriotes. Est-ce que c'est pas derrière cet élément de paix éternelle qu'on réclame, qui fait que justement on a ce désordre au niveau, donc, excusez-moi le terme, au niveau des partis politiques, ce désordre auquel justement, parce que Salon veut apporter une solution à travers sa réforme des partis politiques. Quand on dit paix, bon, chacun veut quoi, aller s'allier, faire alliance avec quelqu'un à qui on s'attend pas du tout, parce qu'il peut être pas les mêmes lignes politiques, les mêmes directions politiques, les mêmes conditions politiques, ceux qui étaient hier opposés, aujourd'hui et du jour au lendemain, au nom d'une paix supposée, bon, ils s'entendent sur le dos du peuple. La paix n'a pas de prix. Mais aucune compromission ne devrait se faire sur le dos du peuple. Aujourd'hui, nous devons avoir la capacité de transcender nos divergences et de sauvegarder l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le peuple béninois, c'est le Bénin en réalité. Donc, je crois que nous sommes déjà sur le chemin des présidentielles, et c'est une question tellement sérieuse qu'on ne peut pas en parler avec beaucoup de légèreté. Elle est très très sérieuse, cette question des présidentielles, et nous ne fonctionnons pas dans l'agitation. Et les vraies candidatures pour ces présidentielles, sans pour autant sous-estimer ceux qui se sont déjà annoncés, vont commencer par émerger à partir de novembre, décembre, janvier. Est-ce que vous ne réduisez pas vos chances quand vous exposez sur la place publique aussi que vous avez déjà téléchargé vos parrainages? Ceux qui sont en train de politiquement, à l'étape où nous sommes, ça ne devrait même pas poser problème. Pourquoi? Et c'est, non, ça ne devrait pas poser problème au niveau de ceux avec qui nous avons eu à discuter. Non, de toutes les façons, quand on a testé le dispositif du parrainage, on a compris que la chose est possible. Mais dans un élan de solidarité, si il est encore possible qu'on revienne là-dessus, parce que qu'on ne le veuille pas, même si de façon détournée, on peut penser que c'est le chef de l'État qui est à la base de tout. Et même si on doit revenir, ça va confronter l'idée qu'il est derrière votre... Même si on revient, on doit revenir sur cette disposition, ça se passera au Parlement. Et c'est encore ces mêmes députés, là, appartenant à ces formations politiques, qui vont devoir agir. Donc voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Nous avons changé cette posture.
parce que celle que nous utilisons n'a pas apporté de résultats. Et quand ça n'apporte pas de résultats, il faut changer de méthode, de mode de fonctionnement. Et il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. On va parler maintenant de la gouvernance de Patrice Talon. Beaucoup de citoyens satisfaits montent aujourd'hui au créneau pour souhaiter qu'il poursuive son œuvre. Quel est le point de vue du MPL par rapport à ce à quoi nous assistons en ce moment? On m'a amené à vouloir parler, à devoir parler de gens qui, peut-être, ne vivent plus dans le pays. Comment? Et qui subitement réapparaissent. Ah bon? Vous dites qui suscite la candidature. J'ai d'abord dit que c'est tellement sérieux qu'on ne devrait même pas susciter la candidature de qui que ce soit. Mais est-ce que le président Talon est satisfait lui-même de son bilan, qu'il vienne se représenter en ouvrant la compétition. Et on verra bien si le peuple... Son bilan, vous êtes opposant à son régime. Vous avez quand même un droit d'appréciation. Nous avons suffisamment parlé de son bilan déjà. Sur zone franche? Non, pas sur zone franche. Oui, mais vous êtes sur zone franche, là. Oui. Et vous avez votre opinion. Et c'est la vôtre. Mon ami Dossa aussi a son opinion. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Mais moi, en fait, généralement, on dit l'opposant, lui, dit tout cru, sans conviction, peut-être peint tout en noir, là. Mais ce n'est pas peint en noir que je dis que le régime est passé à côté. À côté des réelles aspirations du peuple. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est quelques kilomètres de bitume. C'est ça que vous dites du bout des lèvres. Oui. Bon, ce qui est sûr, il ne partira pas avec. C'est un acquis. Mais ce qui a été détruit, c'est notre démocratie. Pas la démocratie, M. Sabi Korogone. Notre démocratie. Moi, je préfère cette démocratie encore dans la pauvreté que... C'est là que celui ceci par exemple vos libertés tel que vous en nourrissez l'ambition, le Béninois décide de vous confier destiné en 2021, vous allez faire quoi? Leur offrir la démocratie, peut-être laisser à jeun ou enfin abandonner le développement? Aujourd'hui les Béninois vivent mal. Malgré tout ce qu'on dit, les Béninois vivent mal aujourd'hui. Comment? Quels sont vos référents? On a des statistiques, on a les avis des organisations internationales qui ont chiffres à l'appui, avec des éléments de l'appréciation. On proposait des lectures. Vous parlez de la ménagère de fait. C'est un refrain qu'on connaît, monsieur Korogone. Que ça m'ennuie de jour en jour. Oui. Et je vous en prie, le Béninois souffre énormément. Rentrez, n'allez même pas très loin, en pleine ville. Faites votre petit sondage comme vous en avez l'habitude et vous saurez que rien ne va du tout. Donc de toutes les façons, et ce n'est pas le lieu pour moi d'être en train de répéter. Les Béninois aujourd'hui ont envie d'entendre quelles sont leurs propositions de nouveau. Qu'est-ce qu'on leur propose à l'horizon 2021? C'est ça justement. Quelle est l'alternative que nous on leur propose? Parce que il est très facile d'être en train de critiquer sans rien proposer. Bon, on va parler de proposition sans forcément verser dans la campagne électorale précoce. Il y a 2021 qui nous attend. Le MPL a déjà téléchargé ses parrains à 95% et est même prêt justement à déposer les dossiers tout de suite même, en tout cas si on ouvrait la compétition avec la garantie, la promesse que bon, elle a des chances, le parti a des chances d'y arriver. C'est toi qui ça va passer. On espère bien que vous avez réuni tous les éléments et toutes les conditions et que vous êtes prêt et que même à 2 semaines de l'échéance, si on vous permettait d'y aller, que vous seriez prêt. Bien évidemment. Alors quelles sont vos exigences aujourd'hui au-delà du parrainage? Parce qu'on a l'impression que ça devient une hantise pour les partis politiques. Nous on a fini avec l'étape des parrainages. Dans les tout prochains jours, on ira dans les locaux de l'ANT pour prendre connaissance de la liste électorale. Vous n'êtes pas en retard là? Non, on n'est pas en retard. Un parti politique, c'est un calendrier qu'on déroule au quotidien. Indépendamment des rendez-vous nationaux Les rendez-vous nationaux sont déjà connus. Les grands rendez-vous sont connus. Les présidentielles, nous savons que c'est pour le 11 mars. Et c'est sûr, et c'est l'échéance majeure que nous avons en vue. Donc nous avons notre calendrier que nous déroulons. Il y en a qui nous disent, pourquoi est-ce que vous ne dites rien depuis? Et vous, non. Nous sommes une formation politique. Et nous n'allons pas nous jeter dans de l'agitation stérile.
nous allons faire les choses dans les règles de l'art, parce que la démarche de celui qui veut juste participer est différente de la, démarche de celui qui veut participer et gagner. Nous, on veut gagner, nous autres. C'est pourquoi vous allez à l'AND? Non, nous irons prendre connaissance de la liste électorale, parce que c'est les problèmes que nous avons. Nous avons besoin que la liste électorale soit mise à notre disposition afin que tout se passe dans la transparence. Quand je dis que vous êtes en retard, mais on y a travaillé, la liste électorale, on y travaillait depuis, vous n'étiez pas là. Les représentants des partis politiques, en tout cas, qui doivent y être pour veiller à une bonne confection, ils sont, vous n'êtes pas du tout. On est à, pratiquement au terme du processus. C'est maintenant que vous voulez aller vous rendre compte de son état. Alors, si vous relevez des irrégularités, vous faites comment? Mais est-ce que c'est notre faute si on n'est pas aujourd'hui au COSLEPI? Est-ce que c'est notre faute si on n'est pas aujourd'hui représenté au niveau de l'ANT? Non. Nous allons faire avec les moyens de bord. Nous allons faire les moyens de bord et essayer de faire en sorte que les conditions de participation à cette élection garantissent la possibilité qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Et pourquoi vous commencez par l'ANT? Non. Ce que nous avons comme problème face à cette échéance majeure, c'est, entre autres, il y a la liste électorale qu'il faut auditer. Maintenant, il faut provoquer les choses pour que le gouvernement puisse donner les moyens aux instances chargées et d'auditer. Il ne devrait pas avoir de soucis pour financer les organes chargés d'organiser le scrutin. De toute façon, tout est fait dans une certaine opacité. Désormais, depuis 2016, on est habitué à cela. On ne voit jamais assez clair dans les choix opérés par nos dirigeants. Maintenant, il faut s'approcher pour aller essayer de comprendre mieux ce qui se passe à ce niveau-là. Après ça, on va aussi demander à rencontrer les représentants de la Sénat, les responsables de la Sénat, le président Tiando, et le parti va les rencontrer. Pour les parler de quoi? Échanger, prévenir sur ce qui va se passer dans les tours. La Sénat est habituée à organiser les élections. Sa responsabilité, est engagée à tous les coups. Il faut que cette Sénat puisse nous donner la garantie de ce que ce qu'on aura comme résultat au soir de ces élections soit ce qu'on viendra nous proclamer. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit, c'est pas moi qui le dis, ça se dit que le régime tient toutes les institutions. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire autre que ce que nous avons à faire? Et je crois que on trouvera. Ça va être une consultation pour se dégourdir les gens de routine. Bon, de toute façon, vous serez témoin. Puisque vous-même vous dites que vous n'avez rien à faire que d'aller justement. Vous serez témoin. Oui. Nous avons notre planning, nous avons notre plan et nous allons le dérouler et vous constaterez que nous allons apporter le résultat attendu par le peuple. Le MPL se propose en alternative pour 2021, mais il n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Dans l'opposition, on observe qu'il y a beaucoup d'autres ambitions qui s'affinent, qui s'affichent de plus en plus. À Yvo Joël, sans doute aussi les démocrates, parrainage ou pas. Comment vous positionnez-vous? Quelles sont les chances du MPL pour se faire le mieux entendre des populations plutôt que les autres? De toute façon, un autre mode de fonctionnement. La couche la plus présente au niveau du MPL est la couche la plus grande de nos sociétés. Nous avons la jeunesse et nous avons les femmes. Le mouvement populaire de libération est devenu une chance pour la génération. Nous, en tant que premier responsable, nous avons l'obligation de faire en sorte qu'on gagne. Parce que si on ne gagne pas, ça va plonger la jeunesse dans un désespoir. Donc, non plus que vous avez vraiment les jeunes et les femmes, vous n'avez pas encore prouvé cela dans les yeux, c'est le baromètre. Il fallait qu'on nous donne l'occasion aux élections communales passées. Vous n'allez pas vous en prévaloir parce qu'on vous a donné. Si on nous a donné, non, bien évidemment, allez sur le terrain, vous allez constater. Bon, bien évidemment, il y a deux Bénins aujourd'hui. Il y a le Bénin virtuel qui se passe sur les réseaux sociaux et il y a le Bénin du Béninois qui vit sa misère au quotidien. C'est ça. La jeunesse, une partie de la jeunesse se réfugie dans un élan de désespoir. J'ai fait des consultations tout récemment sur la plus d'une centaine de personnes que j'ai rencontrées, de jeunes comme nous, qui ne sont pas du mouvement populaire libération. Je les reçois individuellement et je leur demande qu'est-ce que nous faisons. Parce que le plus important, c'est ce que nous faisons.
c'est les plus acerbes, les plus durs sur les réseaux sociaux. Mais quand on leur demande, ils disent, bon, ils semblent être désespérés. Je leur dis aujourd'hui que l'espoir est permis, de ne pas être désespéré, que le peuple béninois, il y a un peuple assez particulier qui sait trouver les réponses à sa prière. C'est le même discours que quelqu'un qui est actuellement sur le terrain en train de faire le tout de Bénin. C'est quoi, vous vous trichez maintenant ou vous passez les mots? On ne... C'est un autre discours bien avant que lui n'aille sur, Justement, ma question, le MPM ne sera pas le seul parti à mobiliser la population contre Patrice Talon. Est-ce que cette candidature qui s'annonce dans l'opposition constitue une menace pour vous? Est-ce que vous sentez une menace à travers ces... En fait, au MPL, on n'est même pas encore arrivé à l'étape de la candidature. Même si vous êtes déjà à 95% de téléchargement pour les partis. Non, la candidature, c'est l'individu. On n'est même pas encore arrivé à l'étape de la candidature. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de parrainer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore. Ils ont accepté de donner sa candidature. Leur option à un candidat issu des rangs de cette jeunesse-là, mobilisé au sein du MPL. Voilà, l'accord de principe. Maintenant, la question de candidature, elle est tellement sérieuse, je l'ai dit tantôt, qu'on ne peut pas en parler avec beaucoup de légèreté. Vous savez, par exemple, quand on scrute un peu l'horizon, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu. Et nous souhaitons, et nous sommes très ouverts à cela, que l'opposition puisse faire bloc. Nous souhaitons que l'opposition puisse faire bloc. Nous souhaitons que chacun oublie ses ressentiments, ses remords, et qu'on vienne et qu'on parle. Et qu'au nom, du peuple que nous défendons tous, qu'on puisse véritablement apporter une réponse en face d'une machine qui boit tout sur son chemin. Appelons les choses par leur nom. Nous avons une machine qui boit tout sur son chemin. Nous avons une machine assez trop forte. Et les gens peut-être peuvent me taguer d'oiseau de mauvais augure. Mais moi, je ne me mens pas à moi-même. Avant d'affronter quelqu'un, un système, il faut en connaître les forces et les faiblesses. Nous avons d'analyser les forces et les faiblesses du régime que nous tentons d'affronter. Quelles sont ses faiblesses? La principale faiblesse de ce régime, c'est son impopularité. C'est la principale faiblesse. Vous avez mesuré la Mais ce que les gens ne voulaient pas entendre au sein de mon camp, dans mon camp, ce que les gens n'aiment pas entendre, c'est que si le peuple rejette le régime, ce n'est pas systématiquement qu'il nous accepte, nous autres. Donc il y a un travail à faire. Les gens pensent que parce que le peuple, avant de rejeter ce régime, avait déjà connu d'autres régimes et a eu son opinion. C'est pour ça que d'ailleurs, avec émotion, a amené l'actuel régime au pouvoir. Donc, le peuple n'est pas amnésique. Le peuple n'est pas si amnésique que ça. Il y a un travail à faire véritablement pour amener notre peuple à comprendre que le chemin qu'on est en train de le tracer est le meilleur chemin pour son épanouissement. Voilà. Oui, mais comment au MPL, on n'a pas été député une fois, on n'a pas été maire une fois, on n'a pas été conseiller élu local, mais on veut être président. Comment ça se fait? C'est quoi cette ambition? Vous savez, ce rêve, ce gros rêve-là? Vous savez, ce n'est pas un gros rêve, c'est les objectifs à atteindre. Est-ce que le président Talon a été député une fois? Il a côtoyé la politique pendant 30 ans. Hein? Est-ce qu'il a été ministre une fois? Est-ce que le président Boni Yaya, le président de la République, a été ministre une fois? A été député? A été élu local? Non, pas du tout. Vous savez, il faut croire notre génération. Il faut croire en notre génération. C'est une expérience relative qu'ils ont capitalisée. Il faut croire en notre génération. Le président Boni Yaya est passé par la présidence de la République avant d'aller à Lomé présider une grande maison. On a vu l'expérience du chef d'État actuel tout au long de son parcours en tant qu'homme d'affaires au Bénin. Il maîtrise les rouages du monde politique. On sait bien comment il le gère bien avec vous, acteurs politiques. Mais on ne peut pas être surpris. Ce n'est pas le même parcours que les jeunes. Il faut faire l'effort de croire en notre génération. Faisons l'effort de croire en nous-mêmes. Nous, MPL, on croit en nous-mêmes. Croyons en nous-mêmes, c'est notre credo. Nous, on croit en nous-mêmes. Nous avons la capacité au MPL, si le peuple de nous confie son destin, de mieux faire que tous ceux qui ont succédé, se sont succédés à la tête de notre pays. Et nous allons y arriver. Je dis que nous allons y arriver. C'est pour cela d'ailleurs que dans les tout prochains jours, et c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, je vais entamer une tournée de d'information, de sensibilisation
et de mise en ordre de bataille de nos troupes. Donc très prochain, dans les tout prochains jours, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, cette tournée va commencer et mettre les troupes en ordre de bataille. On ne gère pas un pouvoir qu'on n'a pas conquis. Nous, nous allons à la conquête de l'électorat de façon pacifique et faire en sorte que en 2021, que nous ayons l'alternance au sommet de l'État. Parce que c'est la solution aujourd'hui que nous, nous avons en face de nous. Comment, s'il était encore possible de sauver les meubles avec le régime actuel, on le ferait. Mais la solution que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est de provoquer l'alternance au sommet de l'État et c'est ce à quoi nous travaillons. Le MPL n'est pas que né pour ça. Le MPL est né pour grandir. Le MPL est né pour faire en sorte que des jeunes se sentent véritablement dans leur pays, que le pays leur donne la chance de pouvoir s'épanouir et qu'ils sortent désormais de la misère et de la précarité. On va attendre mars 2021 pour faire davantage de campagne. Ce n'est pas encore. On n'est pas en campagne. Sabi Sera Kologone a-t-il déjà lu ma version? Ma version, c'est quoi? Vous êtes sûr que vous ne savez pas? Non, je n'étais pas à la politique à ce point. On est quand même le week-end. Et avant ce week-end, il y a eu quelque chose. Dans ma version. J'étais hors du territoire. Hein. Je suis rentré seulement hier. Les réseaux sociaux sont là et vous informent, quel que soit votre lieu. Ça se passe à l'extérieur. Votre ami, comme écoutez. Ah oui. Ah, c'est, le titre, c'est ma version. Ah d'accord. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas encore lu. Quand l'occasion il a dû s'en ouvrir, il a dit vous en parler. Non, pas du vous tout. Vous n'êtes pas ami? Oui, ami. Et j'ai pas lu, dès que l'occasion se permettra, je le ferai. J'ai des lectures en retard. Quand je finirai, je vais peut-être chercher à voir dans quelle librairie me procurer. Ça n'est pas si urgent à lire que ça, c'est ça. Bon, pourtant, il en tout cas, bon, en fait, je vous ai dit, nous marchons selon un calendrier. Nous ne faisons plus rien au hasard. J'ai des lectures là, qui sont là. Et juste après. Ça mais je souhaite que ce livre puisse véritablement participer à faire avancer les choses parce que notre pays en a vraiment besoin en ce moment. Vous êtes plus en connexion, vous travaillez plus ensemble. Est-ce qu'il faut retenir? Non, malheureusement, mon frère est en exil. Et l'exil est très très difficile. Donc il faut les abandonner. Non, on n'abandonne personne. Nous avons besoin de faire l'alternance au sommet de l'État et ramener le vivre ensemble dans notre pays et que la vie des Béninois recommence à redevienne comme elle était avant. Au-delà de Kwame Kuchi, les autres qui sont aussi en dehors du territoire national. Le président Sébastien, pour qui j'ai une pensée. Le président Sébastien, pour qui j'ai une pensée particulière. Je le salue au passage et je lui dis que l'espoir est permis. Oui. Parmi les exigences, je n'ai pas noté chez vous votre demande peut-être pour le retour. Si d'autres en font quand même une réclamation. Pour vous, ce n'est pas la priorité. L'essentiel, c'est les paramètres que vous avez déjà réglés d'ailleurs. L'essentiel, c'est l'atteinte au sommet de l'État. Parce que je ne vois pas par quelle alchimie nous pouvons aujourd'hui réussir à les faire revenir au pays tant que le régime reste le même. En fait, c'est comme ça que je raisonne, moi. Comment on fera? Pouvez-vous être amené à travailler avec Patrice Talon et si oui, à quelles conditions? Travailler dans quel sens? On travaille déjà ensemble. Comment ça? Il est au pouvoir, il est au pouvoir, nous sommes de l'opposition. Mais quel travail faites ensemble? On joue notre rôle. S'il nous écoute, tant mieux. Est-il possible d'envisager à court moyen terme une collaboration directe avec Patrice? Vous savez, c'est des questions que je ne me permettrai pas de répondre. Je suis à la tête d'une formation politique qui a en son sein beaucoup de sensibilité. Je vous le dis, il y a beaucoup de sensibilité au sein du MPL. Il y en a au MPL. Ils viennent un peu partout des autres partis politiques, c'est ça? Non, pas des autres partis politiques, chacun a la conception de la chose. Si je vous dis, par exemple, qu'au sein de notre parti politique, il y en a qui sont farouchement contre et qui sont des radicaux, mais il y en a des modérés. Donc, je suis obligé, en tant que premier responsable... Il y en a aussi qui... Non, il y en a qui sont désespérés, qui se disent, bon, il a tout coincé, allons nous rendre. Tout ça, il faut gérer avec parcimonie, avec intelligence,
et avoir un sens managérial. Tout le monde n'est pas, ne raisonne pas et ne voit pas les choses de la même façon. C'est ce qui explique ce discours policier plutôt diplomate. C'est un discours moins valentin, en tout cas, bien loin des discours de Niki et autres. C'est un discours qui veut apporter au peuple l'attenance au sommet de l'État. Et on ne devrait pas prendre le président de la République, qui est garant de notre souveraineté, en inimitié. Nous sommes des adversaires, certes, mais on n'est pas des ennemis. Et lui donner la garantie aussi de ce qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières si la tenance au sommet de l'État se faisait. Savis Ragorogone, président du Mouvement populaire de libération, nous sommes au thème de cet entretien. À votre mot de conclusion. À nos militantes et à nos militants de nous attendre dans les tout prochains jours sur le terrain, de s'apprêter pour que ensemble nous puissions recommencer à faire les choses dans le sens dans l'esprit du congrès du Savet, parce que nous avons promis au peuple béninois de faire l'alternance au sommet de l'État. L'alternance au sommet de l'État se fera, et se fera dans de très bonnes conditions. L'alternance au sommet de l'État se fera, et se fera sans effusion de sang. Notre pays est particulier, nous allons réussir ensemble à surmonter ces quelques problèmes que nous avons. Et je suis sûr que le président de la République, M. Patrice Talon, a l'oreille qu'il faut pour écouter les cris de cœur de ses compatriotes. À vous, je vous remercie dans l'espoir d'être plus fréquent avec vous. Et est-ce que vous avez prévu justement Canal 3 dans vos agendas pour y être, puisque tout est désormais à tout le monde. Merci déjà d'être passé. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, Tanguy. Merci à vous. C'est d'agréable moment devant Canal 3. Bien, au revoir.